Nous ne sommes pas sur la planète Mars, mais sur le chantier de la gare Saint-Roch. Commencée en octobre 2011, la première partie de la rénovation de la gare touche bientôt à sa fin. Elle a concerné le parking et des pauses minutes et devrait être achevée d'ici juin 2013. Toute l'activité y sera transférée pour permettre d'amorcer la deuxième partie du projet avec la transformation du bâtiment central en point d'orgue. Au vu du trafic ferroviaire en constante augmentation, une réhabilitation devenait presque obligatoire. Actuellement, la gare de Montpellier est saturée. On le voit très bien quand on la fréquente. Elle connaît aujourd'hui plus de 6,5 millions de voyageurs par an. Avec le développement du transport ferroviaire, on va vers 8,5 millions de voyageurs par an. Donc il est absolument indispensable de la développer, de lui permettre d'accueillir tout ce trafic, et ceci dans les meilleures conditions. Plus qu'un simple ravalement de façade, la nouvelle gare a été entièrement repensée. De quoi la faire entrer dans la modernité avec une longue galerie de 200 mètres qui reliera le pont de Latte au pont de Sète. La gare Saint-Roch ne sera plus un lieu de transition, mais un lieu de vie. Comme c'est un lieu où les gens passent un petit peu de temps, eh bien, qui trouvent toute une série de services, toute une série d'offres qui leur permettent de, en attendant leur train, de faire leurs courses, de récupérer du linge, de déposer leurs analyses médicales, etc., etc. D'un coût de 56 millions d'euros, la réhabilitation totale de la gare devrait s'achever fin 2014.